Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner Hedwig, la chouette dans Harry Potter. Pour cela, c'est très simple, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, ainsi qu'une boîte soit de crayon à papier de couleur ou de feutre de couleur. Vous pouvez utiliser un liner ou un feutre noir pour faire les détails de la chouette. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence par dessiner une courbe pour le corps, deux traits pour déterminer la position des ailes, un trait fin pour le balai. Voilà, après on détermine un peu le corps de la chouette. N'hésitez pas à vous reprendre à plusieurs reprises, hein. Le crayon à papier est fait pour ça, c'est pour déterminer à peu près la position. Donc pas besoin que ce soit parfait, hein, ça sera gommé par la suite. Voilà, hop, j'hésite pas à m'y reprendre à plusieurs reprises. Donc là, on commence à mettre un peu les détails sur les ailes. Voilà, hop. Ça commence déjà à prendre forme. Ensuite, on s'occupe du balai. Voilà, les traits sont un peu grossiers, mais ça nous permet déjà d'avoir une idée. Du dessin fini. Voilà. Les détails sur l'autre aile. Ensuite, les yeux. Le nez, le bec. Voilà, deux, trois petits détails au niveau des yeux. Le plumage, les pattes et la lettre. Et voilà pour l'esquisse. On va maintenant passer au feutre noir. Donc, on commence par les yeux, comme d'habitude. Hein, j'aime bien commencer par le centre du visage. Voilà. Ensuite, le bec. On va maintenant faire le tour de la tête, donner la forme de la tête. Prenez votre temps, hein, sur cette étape, ça sera le dessin définitif. Du coup, vous n'êtes pas pressé, hein. Vous ne pourrez pas effacer au feutre noir, donc surtout prenez votre temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Voilà, on donne des détails sur l'aile pour avoir un rendu assez sympa. Un dessin fini plutôt pas mal. On attaque l'autre aile. Ensuite, les pattes de la chouette. Pour pouvoir juste après dessiner le balai. Une forme un peu courbée pour le balai, pour le manche. Ensuite, les poils du balai. On va faire des petits traits pour donner du volume au balai, pour avoir un rendu plutôt pas mal. Pareil sur le manche à balai, des petits traits pour donner une forme d'arrondi. Ensuite, le corps de la chouette, la lettre. Un peu de détails pour le plumage de la chouette. Le bas du corps de la chouette, avec la queue. Et deux, trois petits détails au niveau des yeux. Et voilà pour le dessin fini avant l'étape du coloriage. Une fois l'esquisse effacée, on passe à l'ombrage de la chouette. Donc on va utiliser une couleur grise. Donc voilà pour déterminer l'ombrage. Ensuite, on va foncer un peu les bords de l'ombrage de chaque côté de l'aile.
Voilà. Après, on va éclaircir les bords. On attaque le coloriage du balai. Donc le manche à balai en marron. Ensuite, on va utiliser du blanc un peu plus clair pour éclaircir le bord du gris. Voilà. Le rendu est déjà plus sympa. Vous pouvez utiliser, si vous utilisez les crayons de couleur, du blanc pour éclaircir les bords, pour pas avoir trop de délimitation. Le rendu plutôt sympa comme ça. Ensuite, on attaque le jaune. Donc, on va l'utiliser pour le bout du manche. Ensuite, les pattes. Et les yeux. On va ajouter l'ombre maintenant sur le jaune. Ça commence à donner de l'effet, du volume au balai. Ensuite, on colorie les poils du balai. Même chose. On va s'occuper de l'ombrage. Donc on va mettre de l'ombrage sur les bords et sur le bas du balai. La couleur rouge sur la lettre. Le noir pour les yeux. Hop, deux petits points blancs. Un peu de blanc sur le bord des yeux. Le bec en orange. Le résultat commence à être plutôt pas mal. Après là, j'ai eu l'idée de rajouter des petits points un peu partout sur la chouette. Ça peut donner un effet plutôt sympa sur la chouette, plutôt que de laisser en blanc tout le corps. Donc je vais plutôt insister sur les bords pour donner un peu d'épaisseur aux points. Voilà, je vais en mettre un peu partout. Donc vous, avec votre feutre noir, vous pouvez faire des petits points un peu partout, faites comme vous le souhaitez. Et on arrive à un résultat plutôt cool. Mais voilà, maintenant on va ajouter un fond pour faire ressortir un peu la chouette. Donc j'ai décidé de mettre un fond bleu. Donc couleur ciel, un peu la nuit, donc un bleu plutôt foncé, en ayant éclairci les bords du rond. Donc le résultat final est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que le dessin vous plaît également. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.